Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et avant tout, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, eh bien je vous invite à aller la visionner avant celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Puisque là, c'est la deuxième partie de la journée du coup d'hier. Il est 15h et ce matin, on a eu la première partie de la découverte d'une nouvelle discipline. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, eh bien je vous laisse la surprise. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, c'est donc le PTV, le parcours en terrain varié que l'on va réaliser. Donc nous étions en découverte trek. Ce matin, donc c'était le POR, on a un peu beaucoup galéré, c'était assez sympathique à faire. Et donc cet après-midi, c'est plutôt les épreuves sur le cross. On va avoir des petites embûches à passer. Donc comme vous le voyez, on est toujours avec Jade et Saphir et Bali qui est juste à côté de son copain. Donc voilà, on va faire ça encore toutes les deux cet après-midi. Là, on met un coup de brosse rapide comme les chevaux ont déjà bossé ce matin. On leur met l'équipement et ensuite, on est parti. Par contre, meuf, t'aurais pu faire un effort sur le tapis. Sur quoi? Sur le tapis. Bah, je le fais exprès pour un truc moche. Franchement. Hein. C'est insupportable avec ça. Hein. On est en trek. Et alors? Ah, j'étais à deux doigts de prendre le tapis. Coupe Hunter. Ça va être sympa cet après-midi. Fatiguant les balades. On est motivé. 2 heures de balade à faire des allers-retours. Que au pas. Ça a l'air exténuant. Toi aussi. Et genre, je galère à chaque fois. C'est que c'est bon. Normalement, il y a ma mère. Je me dis, maman, j'arrive pas. Non, j'ai peur que ça casse la fermeture. Très bien, merci. Donc on arrive tout juste dans le PTV, donc le parcours en terrain varié où il va y avoir plein de petites embûches. Là on va marcher un petit peu partout et je suis en train de séparer Bali de Saphir. Autant vous dire que Bali il est au taquet pour voir où Saphir est. Parce que vous comprenez, être tout seul c'est compliqué. Mais ça va bien se passer. Donc on va checker un petit peu, voilà, un petit peu partout. Vous voyez là, c'est des petites embûches qu'il y a. Alors à voir si ça sera à passer au pas, au trot, au galop, on n'en sait rien. Là, on détend juste pour le moment. En tout cas, le cross, il est assez petit, mais il y a des obstacles qui sont plutôt sympas. Hein. Là, il y a un beau contrebas aussi qui est juste ici. Franchement, ça a l'air hyper sympa. Allez, on trotte, mon gros. Ah ouais. Et alors là, je viens de voir un exercice qu'il va falloir absolument que je pense à faire avec Bali si on ne l'a pas sur le parcours de PTV. C'est le trou qui est juste ici. Parce que Bali, il est pas très à l'aise avec les trous et je le suis pas non plus. Et là, c'est un des premiers qu'on va sauter dans un club autre que celui dans lequel j'ai l'habitude de sauter du cross habituellement. Donc il faut que on y aille. Ok, pense bien avoir les mains devant toi. Oh, il est fini. Ah merde, attends. L'équilibre, non, c'est pas vrai. Ouais, je vais essayer de raccourcir tes épées, peut-être, non? Ouais, bah après, on réussira à faire le bon choix. Ouais, bah, non, mais on pourra, on les raccourcira. Ouais, tiens, prends-toi. Allez, on les essaye. Pour avoir un... même le dos, c'est quoi, c'est fini. Voilà. Ah, dommage, t'as essayé de trotter à la fin. Mais moi, il les saute d'habitude, pardon, mais... C'est bien mon gros. Ouais. Y a aucun problème. Voilà, super ça. C'est bien. Salut, pas loin là.
Voilà. Bah dis donc. Eh ben dis donc. Et quand ils écartent les trucs comme ça, ça compte Là, ils doivent. Là, je sais pas combien il y a de points. Je me vois dans le retour, on dirait que j'ai un gilet pare-balles, quoi. On dirait que je pars à la guerre. Mais du coup, voilà, première sensation, là, ça se passe vraiment très bien. Bali, il est pas hyper avec moi dans la bouche. Il a un gros mort en résine de bébé qu'il a pas mis depuis longtemps. Et du coup, je le sens pas hyper bien en main, mais il kiffe. Il s'amuse, il est vraiment hyper détente et c'est très très agréable à faire. Vraiment c'est rigolo, c'est ludique. Par contre je me rends compte que j'ai des gros problèmes au niveau de l'équilibre. Je compte sur toi pour me raconter ce qu'elle dit. Je me rends compte que j'ai des gros problèmes au niveau de l'équilibre. Parce que dès qu'il faut passer d'un équilibre, quand on monte une montée, ou quand on est en descente, eh bien je suis en difficulté. Pour le coup j'ai plus du tout l'habitude de monter comme ça. J'ai tout le temps les fesses bien incrustées dans ma selle pour le dressage, etc. Et là, je me dis qu'il va falloir que je travaille là-dessus parce que c'est pas bon. Super mon chat, ça, oui. M'arrondis autour du piquet, d'accord. Et là, c'est la même chose à gauche. Je commence à tourner les épaules, puis les hanches, et je sors droit. Attention, c'est en descente. S'il part au trot là et qu'il y a un postérieur qui reste au trot, poids d'allure, zéro. S'il s'arrête, zéro. T'es descendu, toi ? Elle a mal au dos, en fait. Au dos ? Et les hanches maintenant, les hanches. Ouais. Je sais pas comment. J'ai en plus, dis donc. Au minimum. Allez, on passe. On n'est pas handicapé. Non, regarde, on passe doucement. Regarde. Comme ça passe large. Ouh, on est large. Non, on n'est pas large en plus. Putain, je te fais des blagues, mon chat, en plus. Pardon. Ah bah là, c'est tout en haut, le truc. Donc on va aller dire bonjour au trou. Arrête net. Hein. Hey, super ça. Très bien mon chat. Super ça mon grand. Encore. Ouais, super. Et bien. C'est bon, non, c'est bon. Super.
super ça mon gros, c'est très bien. Ça a vraiment vraiment fait du bien à la tête de Bali, je pense. Là il a appris plein de trucs. Ça l'a mis en confiance un peu dans ses pieds, etc. Je suis très satisfaite de ce qu'il a fait. C'est très très bien. Et sa foufou, il nous a fait une démonstration. Petit changement de pied, gauche, droite, tac tac. Non, les deux, ils étaient très bien. Et les cavalières aussi. C'est la dernière fois. À la prochaine. Allez, oh, mais non, mais c'était une gratouille amicale. C'est bien mon chat. C'est parfait ça mon gros. Très bien. Du coup ça y est, on est sur le départ, donc vraiment top top journée. Quelle heure il est? 17h30, 18h? 17h47. Autrement dit 18h moins 13 minutes. Donc non, c'était super cool, vraiment très polyvalent. Comme je vous le disais, Bali, ça a dû lui faire beaucoup, beaucoup de bien psychologiquement, de passer sur la passerelle, de refaire le trou. Il a été très bien sur le trou, même si bon, le premier passage, c'est toujours compliqué. Mais voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir le trek comme ça. Nouvelle discipline qui est vraiment, qui demande plein de diversité d'exercices au cheval, qu'il apprenne plein de choses, qu'il soit calme. Et encore une fois, tous les chevaux peuvent le faire à partir du moment où ils sont éduqués. Donc voilà, j'espère, comme je vous le disais, que ça vous aura plu. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. On se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut !